Soyez tous les bienvenus, frères et sœurs ici présents ou qui nous rejoignez par le biais de la télévision. Malades, personnes âgées, prisonniers, nous sommes particulièrement proches de vous, en communion avec celui qui se fait proche de tous les hommes, le Christ ressuscité. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui que nous célébrons dans la joie maintenant. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur. Que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations, tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent ton chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer,
gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Son Fils, lui qu'il a établi héritier de toutes choses, c'est là l'œuvre du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? On lui répond : Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu.
C'est le frère Augustin Laffey, prieur des Dominicains de Toulouse, qui vient de proclamer l'évangile. Et c'est le frère Guy Thomas Bedouel, dominicain, qui va prononcer l'homélie. Pourquoi revenez-vous sans cesse sur cette idée que je fais de la politique ou que je dois m'en garder ? Écrit à l'une de ses amies, au début de 1850, le père Henri-Dominique Lacordaire. Et il poursuit, « La vérité, c'est que mon crime est de ne pas faire de politique, qui serait de demeurer en dehors de tous les partis et de leur dire à tous, à l'occasion, les grandes vérités sociales de l'Évangile. » Qui est ce Lacordaire dont nous célébrons aujourd'hui le 150e anniversaire de la mort au lieu même où il est enterré? Il était certainement à son époque, dans l'Église de France, le prêtre le plus connu, qu'il soit admiré ou bien controversé. Après la Révolution de juillet 1830, ce jeune prêtre fonde avec Lamennais un quotidien, L'Avenir, qui porte une devise fière, Dieu et la liberté. Il y réclame une séparation de l'Église et de l'État à une époque où ni l'Église ni l'État n'en veulent. Comme on lui fait remarquer que son expression est exagérée, il se soumet, mais ne renonce pas à ses opinions. Il accepte alors de donner un exposé suivi des vérités de la foi par les conférences de Notre-Dame qu'il va illustrer. C'est alors qu'il entreprend de refonder l'ordre dominicain qui avait été aboli à la Révolution comme toutes les congrégations religieuses, mais il ne demande pas de privilèges spéciaux. Il demande simplement que les frères puissent simplement s'associer comme tous les citoyens en ont le droit. Et cela, il le dit, il l'écrit, il le fait en fondant son premier couvent à Nancy en 1843. En février 1848, c'est pour lui le moment providentiel. Une révolution et une république, certes, mais éprise de justice, pacifique et surtout respectueuse de la religion. Partout en France, on plante des arbres de la liberté, les évêques et les prêtres les bénissent. Et lui, sans trop y croire, il se laisse inscrire sur les listes de candidats à la députation pour la nouvelle assemblée. Et il est élu à Marseille et devient ainsi représentant du peuple, comme on disait, des Bouches-du-Rhône. Et en habit dominicain, il siège à l'Assemblée à l'extrême gauche, ce qui n'était peut-être pas le meilleur moyen de montrer qu'on était au-dessus de tous les partis. Après la tentative de prise de pouvoir par des insurgés qui ont pénétré dans l'hémicycle et qui, pour Lacordaire, c'est la négation même, cette violence de la démocratie, Lacordaire prend une de ses décisions assez brusques dont il a l'habitude. Après 14 jours de mandat de député, il donne sa démission. Comme il l'explique à ses électeurs, dans une assemblée politique, l'impartialité condamne à l'impuissance et à l'isolement. Il fallait choisir son camp, je ne pus m'y résoudre. Et il précise, pour moi, la politique, c'est dire la vérité la plus générale, aux riches, aux pauvres, aux croyants, aux incroyants. Et ainsi, cette politique est pour lui inséparable des valeurs chrétiennes, des grandes vérités morales. Elle est expression même de la liberté évangélique.
Lacordaire est certainement un idéaliste, incontestablement romantique, et en même temps, il est ancré résolument dans la société moderne, la nôtre, issue de la révolution de 1789, dont il a récusé les excès ultérieurs. Mais il voit cette nouvelle société comme quelque chose qui est au service de ses valeurs évangéliques. Il veut la convertir, il veut s'adresser à l'opinion publique qui n'entend jamais parler de Dieu. Et c'est pourquoi aussi il veut former des chrétiens authentiques et consacre les 7 dernières années de sa vie ici, à Sorèze, au collège, ce qui le confirme dans sa vocation d'éducateur, de prédicateur, et aussi, on le sait, de conseiller municipal de Sorèze. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu, tout cela, prenez-le à votre compte. Nous l'avons entendu, c'est saint Paul qui parle aux Philippiens dans la deuxième lecture. Et c'est, je crois, ce qu'a fait Lacordaire. Et c'est, je crois, ce qui est demandé à chaque génération de chrétiens. La parole de l'Évangile du Christ est une force et une grâce. Elle accueille et réveille le désir de justice et de vérité qui existe dans le cœur de chacun, de chaque personne. Lacordaire, que nous honorons aujourd'hui, est un des témoins de ce service que le christianisme ne cesse de rendre à la société. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. En ravivant la mémoire du Père Lacordaire, qui a souhaité terminer sa vie à Sorèze, nous prions pour cette commune et pour cette paroisse, afin qu'un esprit d'unité et de charité règne entre tous ceux qui en sont membres. Prions le Seigneur. En
en nous souvenant de l'éminent éducateur qu'a été le Père Lacordaire pour la jeunesse, nous prions pour les jeunes scolarisés dans l'enseignement catholique, afin qu'ils se sentent appelés et aidés par le Christ sur la voie du don de soi et de l'héroïsme. Prions le Seigneur. En rappelant que le Père Lacordaire a revendiqué la liberté chrétienne alors qu'elle était bafouée, nous prions pour les législateurs et les dirigeants politiques, afin qu'ils œuvrent pour que tout homme bénéficie d'une véritable liberté religieuse et sociale, respectueuse de la dignité des enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Tandis que nous honorons le Père Lacordaire, qui a voulu annoncer l'Évangile à son siècle, nous prions pour que la parole de Dieu soit annoncée avec audace, afin qu'elle résonne pour tous les hommes de notre temps. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, daigne nous entourer de ta constante protection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les anciens de l'école de Sorèz reconnaîtront la Sorézienne jouée à l'orgue par François-Henri Houbart. Ce chant aux allures martiales pour l'école de Sorèze, écrit par le père Lacordaire en 1857, a été mis en musique par le père Ligonnet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le louons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse.
car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Dominique et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez, suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et votre intelligence dans le Christ Jésus, disait la deuxième lecture. La paix de Dieu dont nous avons tant besoin, c'est ce que nous partageons et accueillons maintenant. Qu'elle garde notre cœur et notre intelligence dans le Christ Jésus, grâce aux prières et à l'action de grâce que nous présentons à Dieu. Thank you.
Heureux les invités au festin de noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur. La foi véritable, la foi vivante et profonde ne va jamais seule. Elle a une sœur qui ne l'abandonne jamais et qui s'appelle l'espérance. On dit qu'à Rome, il y avait deux temples qui se touchaient par l'extrémité de leur abside, l'un consacré à la vertu, l'autre à l'honneur, et qu'on ne pouvait pénétrer le second qu'en traversant le premier. Il en est ainsi de la foi et de l'espérance. À qui ne croit pas ? L'espérance est impossible, et la première récompense de celui qui croit est d'espérer. D'une lettre à un jeune homme du père Lacordaire en 1858.
prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Mémoire du père Lacordaire, si cher aux habitants de Sorèz, 6 enfants vont maintenant déposer sur sa tombe, à l'entrée de l'église paroissiale, 6 fleurs de gerbera, à côté de la gerbe offerte par l'association des anciens élèves de Sorèz. Prenons congé de nos amis belges qui ont suivi avec nous cette messe sur la RTBF. Merci au cœur diocésain d'Albi, dirigé par le père Barthès, pour leur participation, au père Bastier, curé, et à la paroisse de Sorèz pour leur accueil. Je vous retrouve tout de suite sur le plateau du Jour du Seigneur. Nous quittons l'église Notre-Dame de la Paix à Sorèz, mais nous restons ensemble jusqu'à midi. Vous pouvez revoir cette messe, comme l'émission d'ailleurs, sur notre site internet accessible via lejourduseigneur.france2.fr. L'année qui vient est chargée en échéances politiques, plus d'une vingtaine de rendez-vous électoraux à travers l'Europe d'ici fin juin 2012. Les chrétiens et les catholiques en particulier ont-ils une vision du monde, de la société, de l'homme à faire valoir? Une organisation de la cité, un mode de relation entre les citoyens à proposer pour notre pays et pour l'Europe? Catholique rime-t-il avec politique? Ce sont les questions que nous posons maintenant à nos invités, Gilles de Robien et Pierre Larouturoux. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et avec nous ce matin, Éric Payet, journaliste au Jour du Seigneur. Bonjour Philippe. Gilles de Robien, je devrais dire, monsieur le ministre, vous avez été 2 fois ministre, vous avez été aussi maire, député, vice-président de l'Assemblée nationale. On quitte Sorèz, vous avez été même pensionnaire une année à Sorèz. Votre année à Sorèz a-t-elle été déterminante ou a-t-elle marqué votre engagement politique? Je crois que c'était la 10e année de pensionnat, d'internat, et je l'ai fait à Sorèz. Je crois que c'était une grande chance de pouvoir terminer chez les Dominicains, par avoir été chez les Jésuites, chez les Frères des écoles chrétiennes, parce que cette école de Sorèz est très particulière. Elle nous donnait bien sûr l'enseignement, mais en plus de l'enseignement, elle nous donnait aussi un certain sens de la discipline, pas de l'autoritarisme, mais de la discipline. Et par exemple, cette formation un tout petit peu militaire quand même, parce qu'on avait des uniformes et des boutons dorés, et que moi je faisais partie du peloton qui le dimanche défilait au lever des drapeaux. Mais tout ça, ça n'est pas inutile, et il m'en reste aujourd'hui quelque chose, sûrement. – Pierre Larouturoux, vous êtes économiste, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'une réflexion pour éviter le krach ultime, c'est aux éditions Nova, vous êtes un fervent défenseur du partage du temps de travail, c'est un thème d'ailleurs sur lequel vous avez travaillé ensemble avec M. de Robien. Pour vous, entre l'engagement de chrétien et l'engagement politique, lequel a été le premier à,
à se mettre en place ? Ah ben, j'étais baptisé quand j'avais 10 jours, le 1er novembre 64, donc je n'étais pas encore électeur. Donc j'étais chrétien avant d'être... Mais entre baptisé et engagé, c'est... Mais les deux se mélangent, c'est-à-dire que depuis le début, je pense que quand, si on est chrétien, si on croit à ce qu'on dit, on ne peut pas laisser des gens dormir dans la rue, on ne peut pas laisser des enfants mourir de faim dans les pays du Sud, on ne peut pas laisser des enfants en situation d'échec scolaire, on ne peut pas laisser des chômeurs et des précaires aux quatre coins de la planète. Donc je ne vois pas comment on peut être chrétien si on... Si on croit vraiment que Dieu a créé l'homme et la femme par débordement d'amour et qu'il les a créés avec la même dignité que lui, on ne peut pas accepter le niveau d'injustice sociale qu'on vit en ce moment. D'ailleurs, on parle de la cordère aujourd'hui. La cordère disait déjà qu'entre le riche et le pauvre, entre le faible et le fort, il faut des lois. C'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Déjà, la cordère disait qu'on ne pouvait pas être chrétien sans se battre, sans se remuer pour la justice sociale. C'était vrai il y a 150 ans, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Dans tous nos quartiers, on voit des gens qui dorment dehors ou qui attendent les poubelles pour se nourrir. Avez-vous le sentiment d'exercer vos responsabilités politiques de façon chrétienne, Gilles de Robien ? Tout à fait. Je n'exerce pas en témoignant de ma religion tous les jours, mais les valeurs que je défends, enfin les positions que je prends, sont largement inspirées par l'éducation chrétienne que j'ai eue à travers les institutions religieuses, bien sûr, mais aussi, surtout peut-être, par ma famille. Et donc à chaque fois que je prends une position sur un point, ou que je prenais, parce que maintenant je ne suis plus dans la politique partisane, je ne siège plus à l'Assemblée, j'ai une autre fonction dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Alors oui, bien entendu, ce sont les valeurs chrétiennes qui m'inspirent et parfois qui contredisent ou qui m'interpellent sur le bon choix à faire à des moments quelquefois qui sont extrêmement compliqués, extrêmement difficiles quand il s'agit de textes législatifs qui... évidemment, aborde des sujets extrêmement délicats comme la bioéthique ou autre. Et dans le cadre de votre pratique religieuse, est-ce que l'homme politique reste en retrait ou pas ? D'abord, l'homme politique, on peut avoir et on doit avoir des valeurs chrétiennes bien en dehors de l'engagement politique partisan. Tous les corps intermédiaires dans lesquels on peut siéger, qui ne sont pas forcément des postes qui passent à la télévision, enfin, ou des gens qui passent à la télévision, me semble très important aussi pour aborder la politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir qu'une formation politique, voire politicienne, parce que ça, c'est un risque, mais je pense qu'il faut aussi avoir d'autres expériences professionnelles et syndicales, le cas échéant, pour pouvoir mieux apprécier la complexité de la société, pouvoir faire la part des choses et pouvoir ensuite, en toute connaissance de cause et avec les valeurs chrétiennes que l'on peut partager avec d'autres, trouver le bon chemin. – Alors l'expression du fait religieux dans la vie politique française n'a pas toujours été la même. Au cours de l'histoire, il y a eu de grandes étapes. Petit rappel de ces grandes étapes avec François Leroux. L'histoire de l'Église et de l'État commence lorsque l'empereur romain Constantin officialise le christianisme au début du IVe siècle. En France, Église et État ne feront plus qu'un pendant près de 15 siècles. Ainsi, le pape Grégoire IX rappelait à Saint-Louis, en 1230, que le royaume de France est le royaume de Dieu. Il se trouve que c'est évidemment le spirituel qui domine le temporel, et donc la papauté qui l'emporte sur le pouvoir des rois puis des empereurs. Donc, pendant toute une période jusqu'à la modernité politique, il n'est pas question de séparation, il est question d'une concurrence des deux pouvoirs pour la suprématie par chacun du pouvoir sur la totalité des domaines, sur le spirituel et le temporel. Cette confusion des pouvoirs va être attaquée par la Révolution française. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme pose les bases de la liberté de culte pour tout citoyen. La République remet en question le pouvoir de l'Église. Cela n'empêchera pas des centaines de prêtres et religieux de s'engager en politique et d'être élus députés. Parmi eux, en 1848, le dominicain Lacordaire. Lacordaire était un religieux dans le siècle. Et donc il remet sur pied l'ordre des dominicains qui avait disparu en 1790. Et puis il s'engage politiquement pour le catholicisme, pour le christianisme. Il est républicain, mais il restera député très peu de temps. En fait, il démissionne et sans doute avait-il conscience que cette séparation de l'Église et de l'État supposait que les religieux ne soient
pas en même temps des hommes politiques. Le fossé entre les deux pouvoirs s'accentue. En 1905, la loi de séparation Église-État signe ce divorce et met fin à un siècle de régime concordataire. L'application de la loi par les gendarmes est violente. 3000 écoles sont fermées, 20 000 religieux expulsés, les biens des communautés religieuses saisis. Ce qui a déclenché les réactions les plus violentes, c'est certainement le fait que l'application de la loi supposait des inventaires des biens ecclésiastiques. Et alors là, lorsque les catholiques ont vu les gendarmes pénétrer dans les églises, ouvrir les tabernacles pour inventorier les ciboires et les calices, évidemment, ça a suscité une réaction de rejet très violente. Les effets du traumatisme subi par l'Église catholique s'estompent au fil du temps. Cette loi centenaire de séparation Église-État s'est imposée comme un monument de la République. À l'époque, on a dit qu'on a spolié l'Église catholique, mais en définitive, ça s'est peut-être avéré être une bonne affaire quand on voit les charges d'entretien très lourdes de ces bâtiments qui, aujourd'hui, ne sont plus... dans le giron de l'Église catholique, ce sont des bâtiments entretenus par l'État, par les communes, et donc finalement, ce n'était pas une si mauvaise affaire. En 1962 s'ouvre le Concile Vatican II. Dans la Constitution, Gaudium et Spes, les pères conciliaires affirment que l'Église ne doit pas se substituer au pouvoir politique, mais elle peut lui apporter son concours. La situation minoritaire de l'Église dans la société actuelle est une chance pour elle. L'Église n'est pas en surplomb de la société, n'est pas en dehors de la société pour la juger d'en haut. Elle fait partie de cette société. Il s'agit de poser des oui et des non à l'égard de cette société, de le faire librement, mais on peut le faire d'autant plus librement qu'on en fait partie. Ces deux changements, ces deux révolutions me semblent, sur un plan anthropologique et sur le plan de la reconnaissance de la place politique de l'Église dans la société, absolument essentielles. On vient de voir la place de l'Église et donc des catholiques dans la vie politique a beaucoup évolué au cours de l'histoire. Pierre Larouturou, est-ce qu'il est difficile d'être chrétien en politique, d'afficher sa foi ? De l'afficher, je ne sais pas si on l'affiche. Moi, je ne la cache pas du tout. Quand on me demande si je suis chrétien, je dis oui. Quand on me demande si je suis pratiquant, engagé dans l'Église, je dis oui. Donc, c'est une des dimensions très importantes de ma vie. Donc, après ça, je ne l'affiche pas, je ne le mets pas en avant. Et c'est évidemment une des sources qui me nourrit, une des sources où je puise pour agir. Et je pense que vous disiez, c'est que l'éducation qu'on a reçue peut nous aider. Il y a un goût de la justice sociale que d'autres partagent, mais qu'on a bien reçu. Un goût de la vérité, un goût du dialogue. La même semaine, je suis engagé à gauche, mais la même semaine, je rencontre des gens du MEDEF et des gens de la CGT, et je me dis qu'à chaque fois, je vais apprendre quelque chose et qu'à chaque fois, je vais sortir plus intelligent quand je vais au MEDEF ou quand je vais à la CGT. Donc je pense que ce que j'ai reçu de l'Église et de mes parents chrétiens me nourrit, m'aide à ça, même si d'autres, je le redis, qui ne sont pas chrétiens, peuvent aussi avoir les mêmes valeurs. – Est-ce que vous craignez pas, parfois, au sein, par exemple, de votre parti, de passer pour, excusez-moi l'expression, mais un peu le cateau de service ? Le cateau de service, je ne sais pas ce qu'on dit dans mon dos. Je sais qu'il y a des fois où être cateau est gênant parce qu'on a beaucoup plus de mal à mentir. En tout cas, moi, c'est une de mes faiblesses. J'ai vraiment du mal à mentir. Or, en politique, il y en a qui le font très, très bien, avec une grande souplesse. Donc, ça vous gêne parfois pour progresser. Donc, ça peut être un handicap. Par contre, la qualité de l'envie de faire bouger, le fait de ne pas se décourager, de continuer le combat, le fait de trouver des alliés dans différents réseaux, ça, c'est plutôt quelque chose qui aide. Le cateau de service, je ne sais pas. Gilles de Robien, défendre une proposition de loi, une décision, c'est toujours à partir de ses convictions politiques, mais aussi personnelles. Est-ce que c'est bien reçu des confrères en politique, ça ? D'abord, on n'est pas deux. Hein. On n'est pas un jour un homme politique et le lendemain ou les jours père et impair, un chrétien engagé. On est soi-même avec sa formation, son éducation et sa foi. Donc, on ne peut, sans mentir, que défendre des projets auxquels on croit. Moi, je me souviens avoir défendu des projets assez compliqués, surtout dans ma famille politique. Aujourd'hui, j'ai aucune carte politique, mais c'était la majorité actuelle, hein, mais il y a quelques années. Et j'étais chef de groupe, président de groupe de 217 députés. Et je voulais défendre cette idée très très simple selon laquelle, eh bien, quand des personnes venues de l'étranger résident dans une ville pendant 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, ils ont le droit de voter ou de ne pas voter pour le maire, bon, pour les élections locales. C'était très mal vu. Et j'ai eu quelques soutiens, d'ailleurs, je peux citer des noms, le cas échéant, même bon, on va éviter. Bon, Jean-Louis Borloo était l'un des seuls à me soutenir en disant « tu avais raison, continue ce combat-là ». Je n'ai pas gagné ce combat-là, mais je pense qu'on a fait avancer les choses. Et alors, quelquefois, être
un peu provocateur. Après tout, on a parlé de l'accordaire, on a oublié un mot vis-à-vis de l'accordaire, c'est qu'il était progressiste, mais dans le bon sens du terme. C'était un homme de progrès, c'était quelqu'un qui voulait inverser les idées un peu toutes faites et qui était vraiment progressiste. Eh bien, je pense qu'on a le droit aussi d'avoir des idées différentes de celles de la majorité de, j'allais dire, son emplacement politique. Hein, ça. Et à ce moment-là, c'est assez difficile, parce que les autres vous en veulent beaucoup, et quelquefois, ils cherchent même à vous le faire payer. – Pierre Larouturou, est-ce que les récents débats sur la laïcité, au fond, n'ont pas amené une forme de suspicion sur le fait religieux? Est-ce qu'on peut encore s'exprimer en tant que croyant ?– On est dans une société, je crois, où tout, on se crispe sur plein de sujets, et ça montre que la société ne va pas bien, et on se crispe, n'importe quel sujet peut prendre une ampleur incroyable. En réalité, au quotidien, moi je travaille avec plein de gens, beaucoup savent que je suis chrétien, certains ça les intéresse, d'autres ils s'en foutent, il y en a avec qui on parle de ma foi, d'autres ils s'en fichent complètement, mais ils apprécient ce que je dis sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur l'Europe. Mmh. Et honnêtement, au quotidien, j'ai l'impression qu'on vit dans un pays laïque, que 99% des chrétiens sont totalement laïques et comprennent qu'il y a une séparation et qu'en même temps il y a une interfécondité. Donc je crois franchement qu'il faut faire gaffe, on est dans une société fragile et où il ne faut pas inventer des problèmes. On a des gros problèmes devant nous, non, je crois qu'il n'y a pas de tabou. On a une époque où je crois qu'on peut vivre assez librement et dire ce qu'on pense dans le domaine de la foi comme sur d'autres questions. – Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes senti l'un et l'autre tiraillé entre des décisions à prendre, politiques ou dans les partis auxquels vous avez adhéré et votre foi? Une sorte de tension interne, que ce soit au Conseil d'Île-de-France, que ce soit à l'Assemblée hier ?– Oui, bien sûr, mais je suis arrivé après. Mais le débat, par exemple, sur l'interruption de grossesse était un vrai débat interne pour tout le monde. Alors j'imagine que les députés à l'époque, ils ont dû, et ceux qui étaient les chrétiens, les députés chrétiens, ont eu certainement des cas de conscience et certainement des nuits blanches pour savoir quelle position prendre. Donc c'était un cas extrêmement compliqué pour eux. – Et vous, Pierre ?– Moi, je ne suis élu que depuis 18 mois, mais déjà l'an dernier, c'est tout bête, mais pour voter le budget de la région Île-de-France, je trouvais que notre budget n'était pas du tout à la hauteur. Quand on voit le nombre de chômeurs, de précaires, les problèmes de logement, le niveau des loyers en Île-de-France, c'est très concret. Le problème des paysans, on oublie, mais il y a aussi des paysans en Île-de-France qui ont du mal à vivre de leurs revenus. Et je trouve qu'on n'en fait pas assez, je trouve qu'on pourrait être plus imaginatif. Et jusque 5 minutes avant de voter le budget, je me suis demandé si je le votais ou pas. Et finalement, je l'ai voté parce que le mouvement était fragile et que je me suis dit que c'était pas le moment de provoquer. Mais je ne suis pas très fier. Du coup, je reviens là pour le prochain budget. Je vais essayer de faire bouger les choses. Revenir à la charge. Alors, les chrétiens savent se faire entendre dans les débats politiques. Ils savent même parfois aussi le susciter. C'est le cas en cette rentrée scolaire avec la question du gender. En clair, dans quelques manuels scolaires de classe de première, est apparu des chapitres sur la théorie du genre, comme quoi on ne naît pas homme ou femme et on le deviendrait par conditionnement ou par choix personnel. Tout le monde n'est pas d'accord, loin de là, c'est un reportage d'Étienne Jacquemart. Au printemps dernier, à la faveur d'une indiscrétion, la Fondation de services politiques apprend l'introduction de la théorie du genre dans certains manuels scolaires. Depuis plus de 10 ans, cette fondation, un groupe d'influence catholique ancré à droite, conteste le bien fondé de cette théorie. Sa porte-parole ne prend pas cette indiscrétion à la légère. Nous avons écrit au ministre pour lui demander de stopper la diffusion de ces livres, puisque l'année scolaire n'était pas encore terminée, c'était possible. Nous lui avons demandé un rendez-vous, nous n'avons pas eu de rendez-vous. Nous lui avons demandé d'organiser un débat, parce que c'est l'affaire de toute la nation. Et nous n'avons jamais eu de réponse, donc nous sommes revenus à la charge. Chaque semaine, nous écrivons de façon à maintenir le sujet dans l'actualité pour que le ministre de l'Éducation nationale prenne une décision. Et les efforts de la Fondation paient. Fin août, 80 députés demandent par courrier le retrait d'Emmanuel en cause. Écoutez, j'ai été sensibilisé parce que quelques médias en ont parlé, les associations catholiques entre autres l'ont évoqué, et puis il y a des électeurs qui sont venus me voir, qui d'ailleurs bien souvent, entre nous soit dit, étaient de religion catholique on va dire, et même pour beaucoup pratiquants, qui sont venus me voir pour me dire « Monsieur le député, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je ne pouvais pas laisser passer ça, c'est pour ça que je me suis impliqué dans cette envolée vis-à-vis du ministre. Et c'est bien la mobilisation de plusieurs associations catholiques qui aide à animer le débat. Je pense que clairement, aujourd'hui, l'Église doit accepter de se situer dans le débat public. Elle ne peut pas prétendre imposer immédiatement ses vues à toute la société. Donc il y a une exigence de débat, d'argumentation, d'implication, etc. Mais en même temps, l'Église en France, si elle est à bien des égards minoritaire, elle n'est pas seulement minoritaire. Elle conditionne
de manière très profonde la culture, l'histoire, la manière dont la société, dont le pays est organisé. Et donc, il y a une sorte de responsabilité des chrétiens pour donner des clés que eux seuls possèdent, en quelque sorte, sur le tissu profond de notre pays. Cette responsabilité, certains catholiques l'assument et s'en donnent les moyens, comme à la Fondation de services politiques. Nous sommes un lobby dans la mesure où nous cherchons à travailler avec des élus, avec les ministres que nous pouvons rencontrer pour leur faire part de nos réflexions et de nos propositions. Mais ce positionnement nouveau demande aussi à rompre avec des préjugés anciens. Sur beaucoup de sujets de société, les chrétiens ne défendent pas une opinion confessionnelle qu'ils voudraient imposer au reste de la société, mais ils défendent une position éthique que leur foi les aide à construire, mais qui ne se réduit pas à leur appartenance spirituelle et qui peut être dite en termes rationnels, partageable avec d'autres. C'est en résumé la nouvelle mission des catholiques dans les débats qui animent les sociétés européennes déchristianisées. Gilles de Robien, quand un groupe se revendiquant comme catholique vient vous voir pour manifester comme ça une préoccupation, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous sentez une certaine bienveillance envers eux, un devoir de proximité, ou est-ce que vous en faites abstraction? A priori, oui, bien entendu. Il ne faut pas se cacher que si je sais que c'est en tant que chrétien qu'ils viennent me voir, j'ai plutôt une oreille encore plus grande ouverte à leur égard. Néanmoins, j'essaye d'être aussi dans un cadre républicain, à l'écoute, prenant en compte ce qu'ils disent et jugeant avec mes fonctions du moment. Mais en même temps, il faut éviter aussi, quelquefois, on a parlé de lobbying tout à l'heure, je pense qu'il faut éviter aussi les guerres de religion ou les guerres entre... Alors que l'institution nous donne des repères, je suis preneur, que l'institution agisse et comme partie prenante du pouvoir, il y a une limite qui est assez difficile à trouver. Et je pense que c'est plutôt individuellement que les élus qui se revendiquent de valeurs chrétiennes peuvent prendre position plutôt qu'institutionnellement essayer d'être une partie du pouvoir. – Mais vous, en tant qu'ambassadeur, vous n'avez pas un devoir de réserve, en tout cas de neutralité ?– Oui, mais j'ai une chance inouïe. Je suis ambassadeur dans une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale du travail, qui a été créée sur des valeurs chrétiennes, des valeurs d'altruisme, et qui a été créée d'ailleurs dans les premiers directeurs généraux étaient justement des chrétiens vraiment très, très, très importants. – Comme ceux qui ont fait l'Europe ?– Comme ceux qui ont fait l'Europe, Monet et compagnie. Et donc c'est formidable d'avoir comme convention fondamentale la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre le travail forcé, le dialogue, la non-discrimination au travail ou ailleurs, fondée sur le sexe, la couleur, l'origine, le pays, etc. Et donc moi je me sens complètement en adéquation avec les valeurs défendues par cette organisation, et donc je suis rarement en contradiction avec moi-même, pour Pierre ainsi dire, jamais. – Pierre Larouture, tout à l'heure, Père Mathieu Rouget disait « L'Église ne peut imposer ses vues à tous », mais il ajoutait « Elle conditionne de manière profonde la culture, l'histoire et l'organisation de ce pays ». Diriez-vous aussi que les catholiques ont une responsabilité particulière dans notre pays ?– Mais je pense qu'on a tous une responsabilité particulière, que tous, hommes et femmes, adultes… – Tous citoyens alors ?– Oui, tous citoyens. – Pas plus les uns que les autres. Honnêtement, je ne sais pas le peser. Je ne suis pas. Non, mais je pense qu'en plus, dans une période de crise, l'autre jour, le président Sarkozy disait qu'on pouvait aller vers un tsunami économique, non pas juste une récession, mais un tsunami. On est dans une période de crise dramatique. Je pense qu'il faut que le maximum de gens s'engagent, prennent du temps pour réfléchir d'où vient la crise, quelles sont les solutions, comment est-ce qu'on met en valeur les textes de l'OIT, qui allait même un moment plus loin, qui disait le plein emploi, les règles de salaire minimum dans chaque pays. Voilà. Donc je crois qu'il faut que les chrétiens s'engagent, qu'effectivement. Et un point aussi qui, à mon avis, beaucoup de chrétiens s'engagent dans la vie associée, mais pas beaucoup dans la vie politique. Et une fois, il y a un évêque qui m'avait dit que souvent les chrétiens ont peur de l'affrontement, qu'ils cherchent le consensus. Et donc quand on va donner de la soupe aux plus pauvres le samedi, ce qui est très important, il y en a dans ma paroisse qui le font, et je dis chapeau, ils vont porter le café tous les samedis. C'est super, mais c'est le consensus. Et beaucoup de chrétiens ont peur d'aller en politique parce qu'on n'est pas dans le consensus. Or, cet évêque me disait, Saint Paul dit, vous avez été frictionné pour le combat. Par le baptême, l'huile que vous avez reçue, vous avez été frictionné pour le combat. N'ayez pas peur de l'affrontement. Prenez du temps pour réfléchir. Vous avez une cervelle, vous avez le droit de réfléchir à la crise économique, à la crise sociale, d'où elle vient. C'est des décisions politiques qui nous ont amenés à la crise. Donc d'autres décisions peuvent nous en sortir. Et n'ayons pas peur d'un affrontement non violent, mais de dire les choses franchement. Donc oui, il faut qu'on soit plus nombreux à s'engager, chrétiens et non-chrétiens. – Rapidement, Gilles de Robien disait tout à l'heure que l'Église donne des repères d'accord. Quel est d'aller plus loin dans les choix moins d'accord.
Sur des prises de parole de l'Église comme les Roms l'année dernière, sur les lois de bioéthique, sur la famille, comment vous percevez sa prise de parole rapidement ? Moi, je l'ai perçu très bien. C'est un repère qu'elle a donné à un moment donné où je trouvais effectivement que l'expression publique était excessive et je me suis senti plus en adéquation avec cette mise au point. Je trouve aussi que sur les Roms, ce qu'elle a dit était très bien, là, sur la reconnaissance de la Palestine. Je voudrais, c'est l'occasion de dire une bonne année à des amis juifs qui pourraient regarder l'émission. Bonne année, mais que ce soit une année de paix. Et là, l'Église, ou beaucoup de chrétiens, ont redit qu'il fallait la reconnaissance de la Palestine, qu'il fallait lutter contre les paradis fiscaux. Donc, avec d'autres, je pense qu'il est important qu'on lutte sur tous ces sujets. Merci. Les politiques ne sont pas toujours reconnus comme des acteurs pour le bien de la cité et des citoyens, d'où déception, désillusion, désengagement et fort taux d'abstention. La politique, les politiques nous convainquent-ils encore ? Michel Kohl nous partage son enthousiasme pour un ouvrage tout à fait à propos. C'est une banalité de constater qu'aujourd'hui, la politique est discréditée, scandaleuse et décevante. C'en est une autre que de déplorer la crise de l'engagement qui frappe toutes les institutions civiles ou religieuses qui prétendaient garantir du sens aux individus et à la société. Dans un petit essai pétillant d'observation et d'intelligence, le philosophe Jean-François Petit nous exhorte à sortir de nos lamentations. Et il nous indique deux raisons au moins d'espérer en la renaissance d'une culture authentique de l'engagement. La première s'appuie sur la créativité des jeunes. Faisons-leur confiance pour vivre avec astuce les défis politiques qui les attendent, souligne l'auteur. Selon lui, il y a une deuxième raison d'espérer. À l'instar de l'abbé Pierre ou de Geneviève de Gaulle, on peut faire de la politique un lieu de charité plutôt qu'une scène de spectacle. Loin d'opposer spiritualité et politique, cet essai proclame qu'il ne saurait y avoir de politique qui vaille sans recours à des convictions de nature spirituelle. À lire plus que jamais « Comment croire encore en la politique » par Jean-François Petit chez Bayard. Alors une lecture bien à propos donc, par les temps qui courent, et puis une autre lecture donc, que vous nous avez apportée pour éviter le crash ultime, Pierre Larouturoux, un livre très instructif je crois pour préparer les temps à venir. Hein. C'est la fin de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site internet accessible via lejourduseigneur.france2.fr. Pour tout savoir sur les autres émissions à venir, eh bien, demandez-nous le programme. Dimanche prochain, le Jour du Seigneur sera en direct de Lille pour la deuxième édition des États généraux du christianisme. Nous recevrons d'abord Jean-Pierre Denis, rédacteur en chef de La Vie, et Thérèse Lebrun, doyen de l'Université catholique de Lille, avec qui nous aborderons la Genèse et le rôle des États généraux du christianisme. Puis Thierry Bizot, producteur et auteur de Catholiques anonymes au Seuil, et Boris Gréby, de la Conférence des baptisés de France, apporteront leur témoignage sur le thème de notre émission « S'affirmer chrétien ». La messe célébrée sur place depuis la chapelle de l'Université catholique sera présidée par Mgr Ulrich, évêque de Lille et vice-président de la Conférence des évêques de France. Merci Gilles de Robien. Merci à vous. Merci Pierre Larouturoux d'avoir été nos invités puis alors de nous avoir exposé aussi votre engagement de chrétien en politique. Merci Eric. Merci Philippe. Merci à toute l'équipe du Jour du Seigneur qui a préparé avec moi cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain à Lille dès 10h30. D'ici là, passez une très belle journée et une bonne semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions des Chemins de la Foi sur notre site internet france2.fr. Très bon dimanche à tous, à la semaine prochaine. Pour détrôner le champion, Nagui vous promet de la sueur, des bonnes réponses et du sang-froid. Tout de suite. Les stripteaseurs ont quelque chose à cacher. Castle, demain soir à 20h35 sur France 2. Votre série avec Randstad, intérim et recrutement. France Culture à Louvain. Toujours en direct du théâtre antique de Ville. De France et de son.
Vous écoutez Radio France. Toute ma vie, j'ai tendu la main aux autres, en donnant un peu d'affection, de soutien aux personnes dans le besoin. Aujourd'hui, j'ai décidé de léguer mes biens au Secours catholique pour continuer à aider les plus démunis, même après ma mort. Faites comme moi. Renseignez-vous. Écrivez au Secours catholique, service des legs, BP 455 75 007 Paris. Merci. Une lotion anti-poux efficace en une nuit seulement à moins de 10 euros en pharmacie ? Pas possible. Si, avec Evolufarm, la marque des pharmaciens, au prix le plus juste. Si comme nous, vous pensez que l'humanité est une grande famille, avec nous, vous pouvez lui faire un legs. ccfd-terresolidaire.org. Regardez cette belle tomate, cette courgette, cette aubergine, ce poivron. C'est avec ces délicieux légumes gorgés de soleil que les chefs de notre coopérative ont sublimé pour vous les recettes du midi. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous faire plaisir? Les cuisiniers du soleil de Dossi à savourer chaud ou froid. Si c'est Dossi, j'en ai envie. Le lave-vaisselle Bosch Active Water n'utilise pas 50 litres, mais seulement 6,5 litres d'eau, soit 87% d'eau économisée pour une vaisselle toujours impeccable. Et pour une brillance exceptionnelle, Bosch recommande Finish Quantum. Ces trois agents séparés vous assurent un résultat éclatant. Bosch, numéro 1 des lave-vaisselles, recommande Finish Quantum, numéro 1 en brillance. Découvrez les trois nouvelles recettes d'Activia céréales. Poire, noix et miel céréales. Trois nouvelles preuves que le croquant et l'onctuosité vont très bien ensemble. Elles savent pourquoi elles l'aiment, Activia de Danone. Découvrez aussi la délicieuse recette Activia Muesli à la coco. Sueur nocturne, trouble du sommeil, dites pause. Bouffée de chaleur, irritabilité, dites pause. Composé à 100% d'actifs végétaux, Imea jour et nuit atténue les troubles de la ménopause. Avec Imea Ménopause, dites pause. C'est le mois d'octobre rose, le mois de la mobilisation contre le cancer du sein. Alors c'est le moment de dire aux femmes qu'on aime d'aller faire leur mammographie. Parce que dans 9 cas sur 10, s'il est dépisté à temps, un cancer du sein peut être guéri. Chacun d'entre nous peut faire avancer la cause. Alors ensemble, mobilisons-nous. Le dépistage du cancer du sein, parlez-en aux femmes que vous aimez. À partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans. Sur France Télévisions ce soir. France 2, Munich 1972, attaque terroriste sous l'objectif de Spielberg. France 3, Murdoch traque sur toute la ligne le tueur du télégraphe. France 4, Rocky 4, Stallone brise le rideau de fer à la force de ses poings. France 5, le doc du dimanche, secours à tout prix. Franço, au live, Youssou N'Dour enchante la Fiesta des Suds 2010. Ce soir, sur France Télévisions, vous avez tous les choix.